Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM, radio au centre-ville. On est le mercredi 23 mai 2018 et nous sommes également en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp tantôt. Bonjour. 438-395-1256 et sur YouTube, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité d'abord sur le plan local? Sur le plan local, on va vous parler de... Ah ben, j'ai oublié de dire bonjour. C'est pas si grave. C'est pas bien. Bonjour à tout le monde. C'est par habitude. Bienvenue à cette édition, cette nouvelle édition. On va vous parler aujourd'hui de la troisième édition du Salon du Livre Chrétien Évangélique qui aura lieu le 2 juin prochain ici à Montréal. Qui sont un Salon du Livre Chrétien Évangélique. Oui, et c'est pas la première, c'est la troisième édition. Ah, t'es très content, j'imagine. Ensuite, on va parler sur le plan local de ce spectacle de Denerseïde qui sera dans nos murs ce vendredi. Hein? Absolument. Ni l'Armand ou Controp fait. il sera au Food Club Lunch FKL, c'est 5214. Mm-hmm. C'est en dessous de Radio Centre-Ville, ça. Ouais. Hein? Donc, il sera accompagné de Mackie Volsi. Oui. Ce sera un concert... Qui est un gars de Montréal. Oui. Oui, lui, il vient des États-Unis. Alors, ils seront ensemble, c'est deux générations. Ça sera un spectacle assez particulier. Vous allez entendre ça. On a causé à Denerseïde, hein, imaginez. Intéressant, ça. Oui. Alors, pour Haïti, on va parler... Pour Haïti, on va parler de Tony Vergniaud, malheureusement, qui est mort lors d'un accident. De la circulation, on va vous parler de ça, réaction aussi du président de la Fédération des maires, le maire de Carrefour, M. Pierre, et on vous parlera de Daniel Gérard-Rouzier. Est-ce que ça te dit quelque chose, Rouzier? Ben oui, c'est un entrepreneur. Oui, président de la AmCham, la Chambre de commerce haïtiano-américaine, et qui a fait une sortie à la manière de Jean-Paul II, vous vous souvenez? N'ayez pas peur. Ah ben, on va vous parler de ça. On va vous parler de la réaction de Jean-Robert Argan, qui est un autre homme d'affaires, dirigeant de chambre de commerce aussi, qui met le bémol, qui est d'accord avec M. Rouzier, mais qui dit que dans les faits, on verra ce que ça va donner. Et puis, le salaire minimum. Hein? On veut augmenter le prix de l'essence, mais le salaire minimum, comment on va faire pour payer cette essence-là, avec un salaire minimum comme ça? Deuxième journée de manifestation, et puis réaction d'un parlementaire, Don Cato, Antonio, cher ami. On va vous parler de tout ça, madame, messieurs. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de rester avec nous jusqu'à la fin. Ben oui, on est là. Minutes, le développement des nouvelles de ce magazine apporté par intexto.ca. Encore une fois, bonjour à ceux qui nous écoutent sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, ici à Montréal, et sur Facebook, notre page Facebook, Intexto, et aussi ceux qui vont nous écouter en différé sur WhatsApp et YouTube. On va parler de Salon du Livre Chrétien Évangélique. Chrétien en plus évangélique. OK. Parce que le christianisme est très vaste. En fait, c'est la troisième édition. Cette activité aura lieu le 2 juin, comme j'avais dit tout à l'heure. Ce sera plutôt au boulevard Descaries, à Montréal. Ouais. Ici à Montréal, au 7655. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pour les organisateurs de créer cet espace pour permettre non seulement aux jeunes de s'habituer, encourager les jeunes à s'habituer à la lecture, mais aussi c'est comme... Les jeunes de l'Église. Justement, les jeunes chrétiens d'une façon générale. Mais c'est comme un carrefour entre les auteurs et les lecteurs, en fait. Ouais.
C'est la troisième édition et la première chose que j'ai demandé à Madame Mireille Mirambeau, qui est derrière ce projet, c'était quoi la particularité de cette la troisième édition cette année, puisqu'il okay. y a eu deux autres éditions. Voilà mm-hmm. ce qu'elle a répondu. Excuse-moi. C'est de promouvoir le goût de la lecture chez les adultes et les enfants. Mmh. Donc, c'est pour ça que nous avons mis toute une panoplie d'activités pour pouvoir créer vraiment l'enthousiasme autour de l'événement. La deuxième édition, on avait eu Alain Audiacet, donc c'est un BDiste, auteur de bande dessinée qui était sorti de la Suisse. Il a beaucoup aimé l'expérience, il revient encore cette année, mais nous l'avons accompagné, notre troisième édition, d'un conteur. Okay. Donc, le conteur, c'est François Bergeron, il sortira de l'esprit. Et il viendra raconter un conte, une histoire biblique aux enfants avec son et images. C'est très, très beau. Et on le surnomme d'ailleurs l'artiste à la craie. Voilà, l'artiste à la craie. Madame Mirambeau a mis un peu le décor. Mais en fait, il y aura d'autres activités à l'intérieur de ce programme. Ah oui, comme les comme conférences, quoi? Comme je dirais, il y aura une séance d'une forme de critique où un auteur qui a écrit un livre va être dans une conférence. Il n'y aura pas de service d'adoration, là? Non. OK. Mais là-dessus, on a posé la question à Madame Mirambeau. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura vraiment en détail? On a compris qu'il y a une différence entre la dernière édition et celle-là. Ouais. Mais pour les détails, qu'est-ce que nous raconte dans le programme? Voilà ce qu'elle a répondu. Nous allons avoir à peu près 19 auteurs exposants. Okay. Nous allons avoir 3 librairies. Nous allons avoir également des conférences et une entrevue live. Une entrevue de Madame Cardinal à une autre personne, Mélissa, d'un livre éprouvé et ce sera fait sur un plateau et on poser des questions à ces deux personnes. L'une est auteur, l'autre c'est elle qui a vécu les événements difficiles. Nous allons avoir Brigitte Kabouya qui parlera de comment inciter les jeunes à lire, faire le bon choix. Nous allons avoir également quelqu'un d'autre qui parlera de « je veux écrire, mais », c'est-à-dire « j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai le syndrome de la page blanche, mm-hmm. comment vraiment corriger tout ça ?» Donc c'est vraiment assez diversifié comme activité. Et je pense que tout le monde, comme ça, va pouvoir trouver quelque chose à suivre et sortir avec un mot et une parole. Assez diversifié, uh-huh. elle a expliqué. Effectivement, pour les auteurs, c'est des auteurs. Ce n'est pas seulement le programme qui va être diversifié. Les auteurs, les participants uh-huh. vont venir de partout. Il y en a de la communauté hispanophone. Il y a aussi un docteur Herbert Julien qui viendra d'Haïti. Pour ça, il y a des gens qui vont venir des États-Unis. Et là-dessus, elle a... Et les Haïtiens? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Okay. Docteur Julien viendra d'Haïti. Ah, d'Haïti, ok. Il est un auteur qui vit en Haïti, mais lui aussi, il va participer à ça. Mm-hmm. Et voilà ce que madame a expliqué, en précisant l'admission à ce programme et l'adresse, justement. Il y en a qui sortent, il y a un qui sort de Washington, Jean-Pierre Leroy. Il y a un autre qui sort d'Haïti, le pasteur Herbert Julien. Et puis les autres, communauté culturelle confondue. Il y a plusieurs Québécois, il y a plusieurs personnes de la communauté haïtienne également, et puis il y a une auteure de la communauté hispanophone. L'activité va avoir lieu le samedi 2 juin, donc de 10h à 18h. C'est à l'hôtel Rubifus, au 7655 boulevard des Caries. C'est pratiquement à 2 minutes de marche du métro Namur. Il y a un stationnement. Le stationnement est gratuit également. Bon, on va laisser l'ensemble d'informations. On va laisser les chrétiens avec Dieu et puis on va plonger dans une mondanité avec... Une mondanité moderne? Non, pas nécessairement. Ça, c'est la vision de ceux qui... Alors? Oui, mais pour parler d'Enerseïde, ouais. La mondanité n'est pas nécessairement mauvaise. Hein. Non, c'est la mondanité. Non, hein. Ça n'a rien à voir. OK. Alors, Denis Seyid, hein, finalement, qui sera ici ce vendredi au Food Club Lunch FKL, qui est un restaurant, je ne dirais pas dansant, mais mm-hmm. spectacle, où tu peux aller là et t'asseoir, manger, écouter de la musique. Mm-hmm.
Il y a un spectacle auquel Denis Saïd va participer, ainsi que Marc et Yves Volsi, deux artistes qui... Mais ça sera un spectacle assez particulier. Mm-hmm. Il y aura de la discussion, de l'échange avec le public pendant que tout le monde est en train de manger, écouter de la bonne musique, écouter les chansons qui ont bercé, par exemple, Denis Saïd, ce mm-hmm. compositeur et interprète, guitariste, artiste de renom qui écrit pour différents groupes musicaux. Que ce soit de Miami, de New York ou d'Haïti, ces compositions sont très prisées par les groupes classe, Tinglin ou mm-hmm. peu importe. Là, on connaît plusieurs de ces titres. Alors, on a causé à Denis Saïd pour justement voir qu'est-ce que ça risque de donner. Il ne voulait pas trop vendre la mèche, mais j'ai réussi à lui faire cracher un petit morceau. J'aurais à faire un débat, élaborer sur la façon dont j'ai. Mm-hmm. Mais ça, c'est un gros. Okay. Je ne vais pas élaborer trop pour dire exactement ce que je dans le spectacle, parce que c'est un spectacle. Ok, ben, il n'y a pas de problème, mais dites-moi juste en gros qu'est-ce qu'on aura dans ce spectacle. Bon, ce qu'il y aura, c'est que moi, et en solo, avec ma guitare, j'aurai la chance d'interpréter des chansons plus jeunes. Mm-hmm. Allô? Tu m'entends là? Oui. Dans le spectacle, j'aurai la chance d'interpréter des chansons que j'aime, pas beaucoup, mais aussi des chansons que j'ai composées, qui ont fait un grand impact dans le public ici, okay. La communauté. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler d'une de ces chansons-là ou deux que vous aimez? Les chansons que j'aime, c'est les chansons qui m'ont bercé dans mon enfance. À chaque prestation, je prends décision d'interpréter une ou deux. Ok. Je ne veux pas parler, c'est un spectacle. Si je dis exactement la chanson que je vais interpréter, ça va tout casser. Peut-être que les gens vont... Il y en a qui seront intéressés à entendre votre interprétation de la chanson aussi. Non, peut-être. Ah ouais, bon. Ça, c'est le journaliste qui parle. Ouais, mais tu comprends exactement ce que je fais. Quand tu fais un spectacle, c'est beaucoup mieux de laisser la place au mystère. Mm-hmm. Comme ça, les gens vont venir et ils vont être surpris par ce qui se passe dans mm-hmm. le moment. Et okay. Si tu dis après, dis tout ce que tu vas faire, c'est comme s'ils n'ont pas besoin de venir. Tu comprends? Ouais, Denis Saïd, son français n'a perdu même pas un iota. Il vit aux États-Unis. C'est impressionnant, ça. Oui, il y en a comme ça, hein, dans la musique haïtienne, comme le tambourineur de Tabou Combo. Mm-hmm. Comment il s'appelle déjà? Qui s'exprime vraiment dans un français châtié. Ouais. Lui. Il y en a d'autres. Richie a fait beaucoup d'efforts pour garder son français aussi. Oui, il fait beaucoup d'efforts. Ouais. Il fait beaucoup d'efforts, mais pas au niveau du tambourineur mm-hmm. de Tabou Combo, Fanfan Tibot. Voilà. Mm-hmm. Comment j'ai fait pour oublier ça? Ben, ça revient vite. Oui, oui, ça revient vite. François, bonjour. Bonjour, Étienne. Bonjour, Jeanima. Et bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Bon, ça va très bien. Ah ben, ça va. Et moi, j'ai dormi, finalement. Ah. Et ça, on le voit ce matin. Ah oui, oui, j'ai dormi, finalement, François. Ah, tu as dû dormir. Oh, oui, je suis pas aussi gris que le temps dehors, ce matin. Ah, ok. Et puis, vendredi, tu vas manger et puis écouter de la bonne musique. Ouais, ouais, j'aimerais bien écouter Denis Saïd. Moi, je l'aime bien. Je le suis depuis Tabou Combo, hein. Ah, mais tu vas amener les chrétiens avec toi. un mélange de mondanité et de chrétienté. François qui provoque. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Bon, alors, si je vous parle de kidnapping virtuel, est-ce que vous savez de quoi je parle? Non. Aucune idée. Aucune idée. Bon. Alors, c'est une sorte de fraude qui vise encore les étudiants internationaux. Ah non. Alors... Ça a été signalé à Halifax. Alors, écoutez bien, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'il y a des étudiants chinois qui sont à Halifax, ils sont très nombreux. Mm-hmm. Alors, on appelle l'étudiant chinois, on lui dit, écoutez, voici que la police de votre pays est en train de vous rechercher. Alors, allez vous cacher quelque part, vous allez faire une vidéo, et puis vous allez dire que
Aidez-moi, aidez-moi, parce que voilà que la police chinoise veut m'arrêter. Alors, on va poster cette vidéo. Tout ça se passe ici à Halifax, au Canada. Hein. Wow. On va poster la vidéo. Et là, maintenant, on va penser que vous avez des problèmes, vous êtes kidnappé. Et là, on va vous amener de l'argent, tout ça. C'est pas possible. Alors, c'est ce qui a été dévoilé, ce kidnapping rituel. C'est-à-dire qu'on dit que la personne a été enlevée, on exige une rançon. C'est ce que Carole Molsac, le porte-parole du service policier d'Halifax, a révélé. Et une fois que maintenant on a reçu cette appel, on essaie de rechercher la personne. Et par la suite, on va voir que tout a été fait juste pour avoir de l'argent, pour prendre de l'argent des étudiants étrangers. Ah bon? Alors, la police d'Halifax a assuré des étudiants étrangers. Aucun corps policier n'est plus venu au Canada et arrêté un étudiant étranger ou bien arrêté un citoyen, parce que la police dans un pays ne peut pas, les étrangers ne peuvent pas venir ici au Canada et procéder à l'arrestation d'une personne. Mm-hmm. Alors on veut rassurer les étudiants étrangers, on leur dit que si jamais il y a un problème contre nous, on va communiquer avec la police locale et la police locale va les appeler. Alors, on leur dit que si jamais quelqu'un vous appelle et se fait passer pour un policier, il dit que vous êtes kidnappé, tout ça, appelez directement le 911 et puis avec ça, on va vous prêter secours. Alors, vous comprenez maintenant le kidnapping virtuel. C'est comme ça que la police d'Halifax appelle ça. Mm-hmm. Wow. Alors, les gens, ils se coupent ça de... Ouais, ils profitent de l'ignorance et puis de la vulnérabilité des gens pour se faire de l'argent. Pour manipuler les gens. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est incroyable. On appelle ça le kidnapping virtuel. Bon. On passe au demandeur d'asile. Oui. Mm-hmm. Et le ministre de l'Immigration, M. Hossein, a dit qu'il a reçu une aide du Nigeria pour faciliter les expulsions. Pendant sa visite au Nigeria, il a eu des conversations, des discussions avec les autorités nigériennes. Mm-hmm. Et on a vraiment donné la garantie qu'on va émettre des documents pour pouvoir expulser les Nigériens. Ah bon? Parce que vous savez que même si le Canada veut renvoyer quelqu'un, si les autorités de son pays refusent de donner des papiers, à ce moment-là, on ne pourra pas. On a eu un cas avec le Congo où, par exemple, on a expulsé quelqu'un au Congo, mais la personne n'avait pas de papier de titre de voyage. Mm-hmm. Lorsque les agents l'ont accompagné, c'était quelqu'un qui était un tueur de Dieu, comme on dit, un criminel. Alors, on l'a accompagné au Congo et lorsque les agents congolais ont demandé aux agents canadiens où est le titre de voyage, ceux qui lui ont dit qu'on n'a pas de titre de voyage. Alors on leur a dit, retournez immédiatement au Canada, sinon vous allez avoir des problèmes. Mmh. Non mais attends François, quel titre de... Ces gens-là n'ont pas de passeport, c'est pas leur titre de voyage ça? Et des fois, si c'est expulsé, vous ne pouvez pas utiliser ce titre de voyage-là pour amener la personne dans son pays. Ah non, attends, mettons qu'ils veulent expulser un Haïtien. Un Haïtien n'a pas besoin de visa pour retourner chez lui, non? Non, je ne parle pas de visa, je parle de type de voyage. Par exemple, ce que font avec Haïti, Haïti est le pays qui collabore le mieux avec les autorités canadiennes en ce sens-là. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils demandent un laissez-passer au consulat canadien, au consulat haïtien qui est à Montréal. Okay. Un laissez-passer, si la personne n'a pas de passeport, ou bien si la personne, généralement, ce sont des demandeurs d'asile d'avant. Alors, ces demandeurs d'asile n'ont pas le droit d'avoir un passeport haïtien. Une fois qu'ils ont fait la demande d'asile, on demande un laissez-passer et c'est l'agence, le service frontalier qui s'occupe de régler ça. Ok? Ok. Ça se fait facilement. Mais avec les pays africains, les pays asiatiques, on ne veut pas, on ne donne pas. Alors, dans le cas que je vous racontais, les agents ont été une fois. Et on les a retrouvés. On a dit non, vous ne m'appelez pas. Ils ont été une deuxième fois. Alors, on leur a dit si vous retournez, vous allez en prison. Mmh. Et puis, cette date-là, ils n'ont pas été avec le monsieur, ils ont relâché le monsieur parce qu'on ne peut pas le renvoyer dans son pays. Et puis, vous voulez dire que c'est vraiment. Le gouvernement veut expulser les Nigériens, mais si on n'a pas la garantie que les autorités nigériennes, l'ambassade du Nigeria à Ottawa,
si l'ambassade ne donne pas de titre de voyage, alors on aura beau dire qu'on veut expulser les Nigériens, ça ne se fera pas. Mm-hmm. Alors, le ministre a obtenu la garantie que l'on va recevoir des titres de voyage parce qu'il a dit sur 7300 demandeurs d'asile qui sont passés à la frontière, il y a plus de la moitié qui sont des Nigériens. Et en même temps, ces Nigériens-là ne vont pas rester pendant longtemps. C'est lui qui fait sa prévision. Mm-hmm. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rester. Et en même temps, il dit avoir obtenu de l'ambassade américaine, qui est vraiment grave, la garantie qu'on va refuser le visa aux Nigériens. Jusqu'à présent, il y a eu taux de refus plus élevé à l'ambassade américaine. Au Nigeria. Au Nigeria, parce que le gouvernement a démontré, chiffre à l'appui, que 75% des Nigériens qui sont venus au Canada ont eu un visa américain. Ouais. Wow. Mais sauf qu'on va pénaliser le 25% quand même. Ah ben. Oui, alors, les autres avaient eu, dans le temps, parce qu'ils étaient aux États-Unis, les autres étaient déjà aux États-Unis. Mmh. Mais et parmi ceux qui sont venus là, il y a 75% qui avaient un visa américain. Mmh. Là, on dit, maintenant, on a obtenu aussi la garantie que le gouvernement américain va de plus en plus diminuer le nombre de visas ouverts. Il ne va pas donner beaucoup de visas aux Nigériens parce qu'ils utilisent ça de façon vraiment inappropriée. Oui. Inappropriée, ils viennent avec ça. Ouais. Bon, dernière chose pour terminer, on sait que lorsqu'un demandeur d'asile arrive ici, on lui donne un document qui s'appelle le document du demandeur d'asile. C'est le document officiel pour tout demandeur d'asile, s'il veut, par exemple, faire n'importe quoi, c'est avec ce document-là qu'il doit le faire. Alors, ce document avait une durée de 2 ans. Ouais. Okay. Maintenant, on fait une mise à jour, on va passer de 2 ans à 4 ans. On va mettre de 2 ans à 4 ans. On a donné la directive aux agents de services frontaliers ou bien au bureau d'immigration pour mettre ça de façon manuelle. Ça veut dire que si la personne est venue le 23 mai 2020, par exemple, le 23 mai 2018, ce document-là allait expirer le 23 mai 2020. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça parce que ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion. Des fois, la personne va au bureau, on lui dit, ah, monsieur, votre document est expiré, vous ne pouvez pas avoir le service. On trouve qu'avec tous les délais qu'on a maintenant, les gens vont passer plus de temps avant d'avoir leur audience. Mm-hmm. Et si maintenant, tout le monde a été exprimé, tout le monde a avoir des problèmes. Et là, avant, c'était 5 ans. Ce document-là avait une durée de 5 ans. Mm-hmm. Et lorsque, après, a modifié, a changé les règlements, après la réforme au niveau du programme des réfugiés, où on avait passé l'audience à 2 mois, on a ramené à 2 ans. Mm-hmm. Et maintenant que les audiences sont de plus en plus, on prend plus de temps avant d'avoir les audiences. Là, on passe, on donne une durée de validité de 4 ans à ce document-là parce que ça permet à la personne de pouvoir s'organiser et avant que le document expire. Ouais. Alors, c'est une sorte de bonne nouvelle. Oui, parce ouais. que souvent, les gens viennent au bureau pour nous dire oui, mon document va expirer, qu'est-ce que je fais, est-ce qu'on peut renouveler, tout ça. Et généralement, on ne renouvelle pas. Alors là maintenant, les agents ont aussi la consigne de changer manuellement la date au 4 ans. À partir de l'automne 2018, ça va se faire automatiquement, ça va être le système. Et maintenant, les documents auront une durée de 4 ans. Ok, mais et pour ceux qui l'ont eu pendant 2 ans et qui a expiré, hein, que le document a expiré. Dès qu'ils auront à faire une transaction avec l'immigration, dès qu'ils auront à faire un document, les agents d'immigration font mettre ça manuellement. Ils vont okay. modifier la date. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup, François. Et bouge pas. On va passer à la pause, mais reste en ligne.
Okay. Ou elle fait affaire avec une compagnie de Green Gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin, Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques à multi-ethniques à baisse ses prix, et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas, l'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses Expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétiques à multi-ethniques, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques à multi-ethniques vous rembourse le double la différence. Cosmétiques multi-ethniques 4290 et Bélanger à l'est du boulevard Pineuf. Téléphone à 514-89-5429. J'adore Cosmétiques multi-ethniques. La beauté, à petit prix, ça marche. Madame, Messieurs, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, et nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp 438-395-1256. Si vous avez des commentaires audio ou texte, ben, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et ce sont les nouvelles d'Haïti, là, Jean Itium. Oui, et malheureusement, on ne va pas parler d'une bonne nouvelle, on va parler de la mort de ce journaliste qui journaliste, est pasteur, ouais. Devenu maire, ouais, adjoint de Port-de-Paix. Oui. Tony Vergniaud, moi je l'écoutais, hein. j'étais tout petit, hein. Mm-hmm. Je l'écoutais sur Radio Haïti, correspondant de Radio Haïti, ensuite je crois qu'il a fait un tour avec Radio Kiskeya aussi, mm-hmm. à un moment donné, et il s'est converti en politique, il était toujours pasteur, mm-hmm. Un gars très, très ingamble, et puis qui est mort hier lors d'un accident de la circulation. Comment ça s'est passé? Il se trouvait à bord d'un tracteur, d'un bacoloader, comme on dit. Ouais. Et avec le maire principal de Port-de-Paix, qu'est-ce qu'il faisait sur ce truc-là? C'est généralement des engins qui sont pilotés par des travailleurs. Qui ont une formation adéquate pour ça. Oui. Bon, dommage. Ouais, là, on va écouter le juge de paix, oui, Paul Blanc, qui a été faire le constat. Oui. Un constat qui a été difficilement faisable, d'après ce qu'il dit. Nous avons arrivé à identifier quoi, c'est
adjoint Tony Vernure, que nous, avec manœuvre, en ville manœuvre, que nous arrivons à faire pour justement retirer le corps là, nous constater que effectivement c'est le adjoint bord de BA, c'est Tony Vernure. Dans quelles circonstances l'accès de cette arrivée? Selon l'information, c'est que matin, c'est maire principal là, et je suis à l'ISMA qui t'a descendu avec un matériel lourd et un tracteur et que, qui t'a gagné Maïssa et Tony Vernure à Boli. Et pendant que je fais rencontre et descendant et mon commissariat, t'as semblé que tu as fait quoi soit avec un véhicule et le temps pendant que la brasse est sous Boli et puis que le matériel a glissé, donc lui chavire en bas. Bon, son tracteur. Je juste dis, selon l'information, je dis que c'est Maïssa Josué qui t'a conduit et que Maïssa adjoint, donc les mêmes idées à côté. C'est pas Constant qui suit qui va le gagner après ça. Qui suit qui va le gagner, bon, en fait, vu bon, nous comprenons la situation, hein, même pour nous faire constat, bon, la population a tiré roche, et que nous-mêmes nous avons encore constaté nos ordres au niveau de Vécola, et que suit qui va le gagner, et pour moi-même, jusqu'à maintenant, vous regardez. Le deuil ne s'installe pas seulement à Port-de-Paix. Il y a la Fédération des maires aussi de, ouais, d'Haïti qui réagit par rapport à cette perte, Jean-Dumas. Tout à fait. Jules-Édouard Pierre, qui est maire de Carrefour, qui préside justement la Fédération, et qui a réagi à chaud à la suite de cette nouvelle qui a envahi tout le pays, à savoir la mort par accident du maire adjoint de Port-de-Paix. Écoutons M. Pierre. C'est Maïssa, juste à l'usma frappé dans l'estomac, les immigrants sont trop graves, mais en plus l'émotion de plus à l'unité un petit peu à l'égard de la chercher par les prisons. Dieu l'autre monde qui est en matériel, sur le matériel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas grave. On m'a dit Maïssa, on va plus chambre de courage et travail, à ce travail de l'élation. C'est un symbole, Maïssa Tony Vernure. On se souviendra longtemps de lui. C'est vraiment un soldat qui tombe sur le champ de bataille. En reconnaissance de tout le public là, communauté merveilleux, doué un lien culte de témoigner à l'égard de ce personnage. C'est un ancien journaliste, hein, parce que il y a une émission propre, il y a une émission radio qu'il fait. Vous savez, un ancien correspondant, eh bien, sur radio sur de Port-au-Prince. Donc Tony Vernure, c'est un personnage qui parle de réputation. Dans le département nord-ouest, là, dans la commune Port-de-Paix, la mort tragique de Tony Vernure va consacrer encore une fois son engagement citoyen pour le relèvement de sa commune. Et puis pour terminer, on n'a pas de nouvelles du maire principal, M. Alusma, qui pilotait l'engin. Personne n'arrivait à le trouver. Il y avait une autre personne à bord de l'engin. Ils ont eu le temps de sauter, de débarquer de l'engin lourd, mais Tony Vernure, lui, non. Il n'a pas eu le temps et il a été écrasé littéralement par ce poids lourd. Voilà, on va parler d'un... On va parler d'un autre sujet, cette fois de Daniel Gérard-Rosier. Oui, qui dirige la AMCHAM, la Chambre de commerce haïtiano-américaine, et qui a fait une sortie publique dans un texte à la manière de Jean-Paul II, vous vous souvenez, lors de sa visite en Haïti, qui disait « N'ayez pas peur ». Il appelait les hommes d'affaires comme lui... l'élite à prendre notamment sa responsabilité. L'une des responsabilités, c'est de payer des impôts et des taxes qui sont dus à l'État et pour que l'État puisse redistribuer ces recettes-là à la population en général à travers des programmes sociaux, des ci, des ça. Vraiment, c'est un appel à l'élite dont il fait partie de changer leur manière de faire, leur vision, leur fonctionnement de manière générale en Haïti. Ça a été dit, tout ça, dans un texte qui a été rendu public. Et depuis hier, Daniel Gérard-Rosier fait un petit peu le tour des médias qui l'invitaient à clarifier ou à élaborer sur son texte qui s'appelle « N'ayez pas peur », comme je vous le disais. Et il était de passage à Radio-Vision 2000. Diego Charles nous fait un compte-rendu de ce qu'il a dit. Selon l'homme d'affaires, c'est le seul moyen pour l'État de disposer des ressources nécessaires à l'application de sa politique en matière de développement. Daniel Gérard-Rosier. Nous pensons que si nous vraiment voulons reprendre la souveraineté, il faut que nous payions des taxes. Si nous voulons que le pays soit capable de retourner sur les marchés financiers internationaux, côté que l'État est capable de gagner des investissements de grande envergure, il faut que nous parlions de principes de reddition de comptes et de transparence. Ce qui est futile, relais les investisseurs internationaux viennent dans le pays. Si nous parlons de base économique pays, ça veut dire créer des opportunités à la base de la pyramide. Il est souvent reproché à l'élite économique haïtienne de ne défendre que ses propres intérêts au grand mépris de ceux de la collectivité.
Une opinion jugée correcte par Daniel Gérard-Ouzier, estimant qu'un dialogue entre les acteurs publics et privés est nécessaire afin que les plus démunis puissent bénéficier d'une partie des richesses du pays. Est-ce qu'au moins un impact social, c'est-à-dire que c'est pas un impact économique pour gagner pour poche, seulement qui sort fait pour que socialement on mérite d'exister toujours. Nous pensons que nos cas entament dialogue ça. Et c'est pas seulement dialogue entre le monde secteur privé, c'est secteur privé et secteur public. Des vagues de réactions ont surgi de toutes parts suite à ce discours prononcé par M. Ouzier et qui comporte plusieurs dimensions. L'homme d'affaires dit concéder certaines des critiques, mais affirme minimiser celles qui le présentent comme quelqu'un qui est mal placé pour dénoncer l'évasion fiscale, la corruption et la contrebande qui constituent de véritables freins au développement économique du pays. Personne n'a pas dit paix bouche, mais on ne doit pas d'accord avec, mais c'est de bonne guerre. Moi, quoi que tout au cours de ma vie, mais c'est joindre acte, mais à parole, moi, je laisserai mon histoire parler d'elle-même. Il a fait rappel que lors d'après le Premier ministre, c'était justement pour affaire de ne pas payer taxes suffisamment que les députés ont été rejetés car là. Ou pas qu'à seulement dit que je ne pas payer taxes, il faut qu'on prouve que je ne pas payer taxes. Quoi qu'on a songé tout, que je t'ai publié, tout ça que je t'ai payé. La situation actuelle d'Haïti n'a rien de réjouissant. Le président de la République l'a lui-même reconnu vendredi dernier à La Caye à l'occasion de la célébration du 215e anniversaire de la création du drapeau national. Daniel Gérard-Ouzier estime que le sauvetage collectif devrait primer sur l'individualisme afin d'arriver à un changement radical du système. Mais l'homme d'affaires se dit conscient que cela exige de grands sacrifices, espérant que ses pairs du secteur privé des affaires écouteront son cri d'alarme et prendront les décisions qu'il faut. Ben oui. L'un de ses pairs, c'est Jean-Robert Argan, qui est un homme d'affaires, dirigeant de chambre de commerce également, et qui dit avoir écouté l'appel de son collègue Daniel Gérard-Ouzier, avec qui il est d'accord, hein, d'après ce qu'il a dit, Monsieur Argan. Et, mais il dit, dans les faits, il est encore trop tôt pour voir si effectivement les gens de l'élite, les hommes d'affaires, tous ceux qui font affaire là en Haïti, qui sont dans le business, dans les affaires, vont vraiment écouter ça et dans les faits, quel résultat est-ce que ça va donner? Ça va donner. Il a l'air d'avoir des doutes là-dessus, Jean-Robert Argan. Écoutez, alors, pile de discours ça. Moi, je prends la chose suivante. C'est beau que tu arrives à faire un mea culpa. Le mea culpa est louable, mais un mea culpa valable lorsque, après mea culpa, où est le résultat de ce changement. C'est le seul qu'à juger. C'est à partir de ce moment-là qu'on a jugé de tout ça que tu as dit ou que tu n'as pas dit. D'accord, on fait mea culpa, mais un ouais qui résulte. Mais il faut reconnaître, ok, on a fait mea culpa, ça te demande un certain courage de le faire. Ou faire. Décodez-moi là. Tu me comprends plus. Un péché avoué est déjà à moitié pardonné. L'homme nous dit, nous devons faire ceci, nous avons fait ceci de mal, etc. Donc, connaissance de faute. Maintenant, c'est bien qu'on est capable de faire, qu'on dit le plus. Maintenant, il faut voir les répercussions et savoir si, au fond, ce message lancé sera suivi de fait. Pour moi-même, on projette comme un représentant. Ça peut être X, pas obligatoirement Daniel Gérard-Ouzier, mais ça peut être X. Et ce X, à côté de le jeu, il parle de secteur. Mais c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que sous les taxes payées, c'est la moindre des choses qu'on paye. Sous les taxes payées, c'est la moindre des choses pour faire. Donc, je pense que c'est normal. Mais ce n'est pas normal non plus que vous vivez de contrebande qui a créé un pays non plus. Il faut certainement, quand vous dénoncez un bagage, ça, si ça me l'est, mais à coup pas, il faut que, éventuellement, que ceci soit aussi écouté, que ce soit suivi de faits encore contrôlables. Et c'est là qu'on pourra vraiment jauger la valeur de sa écriture. Voilà, Jean-Robert Argan, hein, qui justement met un peu de bémol dans ces déclarations-là. Et il dit il va falloir attendre un peu hein, pour voir dans les faits qu'est-ce que ça va donner. C'est très bien qu'on fasse un mea culpa, mais dans les faits, qu'est-ce que ça va donner? Et dans les faits, justement, il y a des ouvriers qui n'ont pas assez, qui ne sont pas satisfaits, dis-je bien, de leur salaire. Il y a eu tout un débat, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, autour de l'augmentation du salaire minimum. Finalement, c'est Jovenel Moïse qui devait trancher, et Jovenel Moïse avait tranché pour 15 gourdes d'augmentation de salaire. De plus, oui. Ouais. Et je crois que les gens demandaient quoi? Une centaine de gourdes? Oui. Hein? Oui. OK, il y avait 15 gourdes seulement. Et là, aujourd'hui, il y a une augmentation du prix de l'essence, et qui va avoir des répercussions sur ces gens-là, des ouvriers. Des ouvriers qui n'ont peut-être pas de voiture, mais qui doivent quand même utiliser le transport en commun pour se rendre au travail. Ouais. Est-ce que ça va faire, c'est que
le prix des courses va augmenter aussi. C'est pas, même s'ils ne vont pas acheter de l'essence, mais ils vont devoir payer plus cher pour se rendre au travail. Ils vont devoir payer plus cher pour se nourrir. Parce que les prix des denrées alimentaires vont augmenter aussi. C'est clair. Okay? C'est transversal, ça touche tout, cette affaire. Maintenant, hier, ça faisait la deuxième journée de manifestation de ces gens-là qui demandent une augmentation beaucoup plus que 15 gourdes que Jovenel Moïse, le président, avait autorisé. Pour cette seconde journée consécutive, les protestataires étaient plus nombreux et plus que jamais déterminés à faire entendre leur voix. Pas question de continuer à travailler pour 350 gourdes, ont martelé ces ouvriers qui n'ont pas manqué d'évoquer la cherté de la vie. Nous-mêmes, Fenapi, nous marchons pour aujourd'hui depuis le 21. Jovenel, 10 jours fériés, pas pour nous encore. C'est on a raison, nous prenons la RIA. Est-ce que la fin déjà? Quoi ça, nous dit liberté ou la mort? Nous prenons la RIA jusqu'au bout. Les ouvriers des usines de la Sonapi ont mis tout en œuvre pour contraindre ceux des autres usines situées sur la route de l'aéroport à se rallier à leur mouvement. Les policiers sur place et des agents de sécurité affectés à ces usines ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour les en empêcher, ce qui a donné lieu à une véritable scène de panique dans la zone. Avec tranquillité, maintenant, les constitutions vont nous droit pour revendiquer sans violence. Hein? Je ne jure pas là, les gars m'ont choisi, c'est violence pour faire lui-même. Pardon, regardez la police, mettez à l'intérieur de l'entreprise pour empêcher notre ouvrier de libérer notre ouvrier. C'est les policiers qui sont dans l'entreprise qui vont les gaz qui fait ouvrier, en pays victime, ou passer à l'autre côté là. Tout allait revenir à la normale peu de temps après et la manif a pu poursuivre le parcours défini jusqu'à son aboutissement devant le siège du Parlement. Nous dit commission affaires sociales Sénat avec chambre députée, nous y vivons parce que nous décrions depuis le février. Nous n'avons jamais pris en compte de revendications. Et c'est pour des raisons sociales, nous demandons pour que vous amendez la loi des minimum plan pour retirer la confusion qui vient dans les salaires minimum. Parce qu'on utilise l'année dernière, vous fixez ça les minimum, non, mais vous fixez ça les politiques. Et nous clair, revendications nous, tout le temps, pas satisfait, nous n'avons pas réussi là encore. C'est les deux jours de mobilisation. La cabane dit, les messieurs viennent à Chita dans la base, nous, la vraie planifier un autre calendrier si toutefois il n'y a pas satisfait les revendications. Devant le palais législatif, certains chefs de file du mouvement ont été reçus par deux députés du groupe minoritaire, à savoir Jean-Robert Bossé et Joseph Manès, lui, et par l'ancien président de la commission des affaires sociales du Sénat, Antonio Cherami, dit Don Cato. Et justement, Don Cato a applaudi, a encouragé même ce mouvement. Ah oui, absolument. Et c'est l'un des supporters les plus fidèles de ces gens-là qui demandent une augmentation du salaire minimum. Il y a le député de Akin, Jean-Robert Bossé. Il y a beaucoup d'autres députés de l'opposition, notamment, qui soutiennent justement ces gens dans leur démarche d'exiger un salaire minimum beaucoup plus décent. Alors, Don Cato a fait un parallèle entre l'augmentation du prix de l'essence et le salaire minimum et l'augmentation du salaire minimum accordé par Jovenel Moïse à ses ouvriers. Et il appelle vraiment les ouvriers à se mobiliser en ce sens. Faut, juste avant d'écouter Don Cato, faut rappeler que l'ADI, l'Association des industries d'Haïti, avait dénoncé au cours de la première journée le fait que des gens sont entrés dans les industries pour forcer des ouvriers à sortir afin de participer et de gonfler les rangs de la manifestation. Ce que n'admettent pas, en tout cas, les protestataires, de toute façon. Bon, écoutons Don Cato maintenant. Gouvernement la parole a dirigé ya, li pense le te ka fait toute ville a bay moun yo parole. Jodi a bagay la vini ve sous table là. Ou vle monte gaz et puis ou vle salaire a camper même jan li an. Ou senti gon poisson crasé nan bouillon entre l'état central avec patron yo pour kembe ouvrier yo dans sa rue. Et ou gon CSS li même qui poko ka di est-ce que indépendant ou bien li rete avec patron yo jusqu'à présent toute décision qui prend toujours en face ouvrier. Moi même moi dit ouvrier yo
nous pas pour compte nous, mais t'es toujours bon côté nous, ni l'homme des présidents de commission affaires sociales, je dis à commission en panne, moi-même m'a pris responsabilité pour continuer bataille avec nous. Et m'a annoncé nous, je dis là, président pour le recevoir une lettre pour inviter ministre affaires sociales là, venir dans le contrôle gouvernement qu'a fait chaque mercredi pour nous voir est-ce que ministre Kavin dit dans qui ça ouvrier aujourd'hui. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisagez une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de Green Gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou avine plein on prend refus parce que dossier mal préparé formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois pour le même genre de dossier ti George WhatsApp Fanny madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays Vision Max Service vous comptez demander un super visa venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin, Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques à multi-ink à baisse ses prix, et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions, comme les tresses expressions liquidées à seulement 4,25$. Cosmétiques à multi-ink, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques à multi-ink vous rembourse le double la différence. Cosmétique Multi I4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514-89-5429. J'adore Cosmétique Multi Ethnic. La beauté, à petit prix, ça marche. C'est 7h47, madame, messieurs. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Vous êtes également en direct sur Facebook, hein, la page Facebook de Intexto. Et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Jean-Yves, c'est le temps des commentaires. Ah oui. Alors, tu veux parler de quoi? Ben, ce serait bien de voir un peu, excuse-moi, le côté, le parcours même de ce monsieur, monsieur Vagnot, qui est mort dans cet accident. Ouais. Je pense que définitivement, c'est une grande perte pour cette communauté, parce que si vous regardez le parcours de Vagnot, vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui s'était engagé ouais, pendant toute sa vie, hein, que ce soit comme journaliste. Bon, moi, tout petit, je l'écoutais, hein, ouais, ses circuits sur les ondes de Radio Haïti, tout comme j'écoutais religieusement Monty Jeanne Saint-Cyr, mm-hmm, de Petit Gouave, qui était correspondant de Radio Lumière. Mm-hmm. Vous vous souvenez, après, son fils était devenu correspondant de Vision 2000. Bref, c'est vraiment une génération de journalistes Tony Vergniaud qui est parti par accident comme mm-hmm, ça, rien ne prédestinait ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Et il était pasteur aussi, ouais, à Port-de-Paix, et très engagé dans sa communauté. Maintenant, la question qu'on se pose, Jean-Yves, c'est que diable allait-il faire, lui et le maire principal, M. Alusma, sur cet engin lourd, normalement, qui devrait être piloté par quelqu'un qui a été formé pour ça, des TPTC. C'est un engin des TPTC, ça. Oui, bon, on ignore ce qu'il faisait là, et puis, de toutes les façons,
quand un accident arrive, il fallait pas être au mauvais moment, au mauvais endroit. Peut-être même si c'était le jour de sa mort, rien ne pourrait l'empêcher. Bon, là, on va prendre le débat. C'est ce que je ne comprends pas. Dans les informations qui nous sont parvenues de Port-de-Paix, les journalistes ne nous disent pas mais pourquoi ce sont les maires qui pilotaient un engin comme ça. On allait où? On l'ignore. Peut-être qu'ils ont une formation, on ne sait pas. Mais je voulais beaucoup plus insister sur, comme je disais, un accident reste un accident, de toutes les façons. On va pas essayer, dans ce contexte-là où on parle vraiment de deuil, d'insister trop sur qui a tort ou qui a raison, où il fallait être ou il ne fallait pas être. Mais c'est globalement une grande perte pour la jeunesse, pour la communauté là-bas. Et je pense qu'il faut aussi encourager les jeunes à prendre des gens comme ça, comme modèle, dans le sens de leur implication même dans la communauté, que ce soit comme leader religieux, comme leader politique. Ce que je veux dire, ça aurait pu être évité, là. Mais c'est un accident, j'en ai marre. Comment tu vas dire qu'un accident, ça aurait pu être évité? Si on aurait pu l'éviter, ce ne serait pas un accident. D'autant plus que tu n'as pas les détails sur ce qu'il faisait. Il y a des accidents qu'on peut éviter, j'en ai dit. Ok, ouais. Comme cet accident-là. Alors que tu n'as même pas les détails de ce qu'il faisait. C'est ça. Moi, à mon avis, vous êtes maire d'une ville comme ça. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Par nature, par définition, un accident, c'est un accident. On ne peut pas éviter un accident. C'est comme ça. C'est ma compréhension de l'affaire. Bah, on ne peut pas éviter un accident dans le moment de l'accident. Mais ça aurait pu, si on prenait d'autres décisions. C'est ce qui fait d'un accident un accident, justement. Ah. Et puis, moi, je ne vais pas entrer dans les discours de... Bon, je ne dis pas de culpabiliser. L'accident est fait, c'est dommage, c'est un deuil. À mon sens, ce n'est pas le bon moment d'identifier qui ne fallait pas c'est être. Pas ce que je fais. Bon c'est pas ce que je fais. Est-ce que ça m'empêche de poser la question? Je ne sais pas tu d'identifier. Tu peux poser la question, pas, mais tu vas. Sur quoi tu vas te baser pour dire qu'il pourrait éviter un accident? Parce que, je l'ai dit au début, parce que ce sont deux maires principaux d'une ville, pas d'une petite commune dans le fin fond d'Haïti, là. Mm-hmm. C'est de Port-de-Paix. Qu'est-ce qu'il faisait sur un engin lourd qui devrait être piloté par un employé des TPTC? Rien ne te dit qu'ils n'ont pas la formation adéquate. Je suis d'accord. Même s'ils avaient la formation, moi, c'était pas une manière de piloter de faire, un engin comme ça. Ce que je vais te proposer de faire, Jean-Numa, c'est vraiment axer les commentaires sur les faits. Il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas sur cette affaire-là. De quoi tu parles? Axer les commentaires sur les faits. Oui. Les faits, c'est ça. Les faits, c'est qu'il y a deux maires qui pilotaient l'engin. C'est un fait. Peut-être qu'en regardant, en allant dans les détails, tu vas te rendre compte que le gars, il ne pilotait même pas l'engin. Il était à côté ou bien il était de... Non. Ben justement, en parlant de faits, justement, tous les journalistes, tous les correspondants disent que c'est le maire à l'USMA qui pilotait l'engin. Et lui, il était à côté de lui. Il y avait une autre personne là aussi. Tu vas être d'accord. Ça, ce sont des faits. Ok, tu vas être d'accord. Tu m'invites à parler des faits. Ça, ce sont des faits. Ok, mais tu vas être d'accord avec moi aussi. Oh. J'imagine que ce monsieur, sa tête est correcte. Il ne va pas se réveiller un bon matin, il prend la clé, il se balance sur l'engin. Peut-être qu'il a une formation pour ça. Il devait avoir une formation pour ça. J'ai jamais dit ça. Et puis, je ne sais pas s'il a eu une formation. Et même s'ils avaient une formation pour ça, il ne devrait pas, comme maire d'une ville comme ça, se retrouver sur un engin qui devrait être piloté par des employés de TPTC. C'est un engin lourd piloté généralement par des employés de TPTC qui sont formés, qui ont de l'expérience pour ça. C'est ce que je dis. Je suis pas en train de les accuser. Je suis pas en train de les reprocher non plus. C'est peut-être il y a une réalité en Haïti qui fait en sorte que on peut retrouver des maires d'une ville principale qui sont retrouvés dans les engins. Il faut savoir justement, c'est la question fondamentale qu'il faut poser. Pourquoi ces maires-là se retrouvaient dans cet engin-là avant de prendre des positions comme ça? Il doit avoir une raison. Oui. Justement, c'est ce que je te dis. Ouais. Il faut avoir tous les éléments pour faire. Mais c'est pour ça que je pose des questions. C'est pour ça que j'affirme absolument rien là. Je pose des questions et rien ne m'empêche de poser des questions. Personne ne t'empêche de poser des questions, sauf que. Excuse-moi. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, un accident reste un accident. Très bien. On va s'entendre qu'on ne sera pas d'accord.
Ben, c'est bon. D'avoir des opinions diverses si on se respecte. Oui, oui, on va s'entendre. On va s'entendre qu'on ne sera pas d'accord. On parle de Daniel Gérard Houzier. Mm-hmm. Alors, tu l'as entendu? Moi, je l'ai entendu. Il y a deux observations que j'ai faites. D'abord, ce discours-là, ce n'est pas un discours nouveau, mais venant de ce monsieur-là, qui lui-même admet que les gens qui font du business, d'une façon générale, doivent payer les taxes, c'est important de le souligner. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi qu'il admet effectivement que ses pairs ne payent pas correctement ou bien suffisamment. Il doit être au courant, c'est le président voilà. d'une chambre de commerce. Voilà pourquoi ça a pris tout cette ampleur, parce que il est en train de dire, en faisant ce plaidoyer-là, de dire j'admets et j'avoue que mes collègues n'ont pas payé correctement les taxes. Et ça, c'est pas bien pour le pays d'une façon générale. Ça, c'est la première observation. La deuxième chose que j'aimerais souligner en termes d'observation, est-ce que son discours, son plaidoyer est suffisant pour sensibiliser les gens à amener les concernés à, quand je parle des concernés, les gens qui doivent payer le taxe à le faire, je ne pense pas que c'est suffisant, dans le sens où, comme partout, où ça prend un système. Le discours là que monsieur Houzier a, ça devait être vraiment les autorités haïtiennes qui mobilise les gens vraiment à venir payer les taxes. Ça va faire un écho. D'ailleurs, on en parle dans la presse. Ben, il y a c'est la responsabilité de la DGI. Il y a même, moi, quand j'écoute les radios haïtiennes, il y a toujours des spots en rotation qui invitent les gens à payer des taxes et des impôts. Sauf qu'ils ne vont pas les payer comme ça, là, si on ne les contraint pas. Mais voilà, c'est de ça. Justement, je te parle quand je te dis c'est l'implication de l'État même. Ce n'est pas juste d'y venir payer les taxes. Qu'est-ce qui va être fait quand les gens ne payent pas les taxes? C'est comme ici. Personne n'est content de sortir de l'agenda de sa joie. Je regrette faire diffuser des spots comme ça à la radio. Ça va aider les gens à payer les taxes. Et en plus de tout ça, ils savent bien. Ils savent bien que les gens qui n'ont pas payé les taxes. Ben oui. C'est pas nécessairement les gens de la population elle-même. Le problème, c'est que les gens au plus haut niveau de l'État n'ont pas de moralité pour aller exiger que ces gens-là payent des taxes. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont contribué grandement à leur campagne électorale, à leur mettre là. Ça, c'est une autre réalité. C'est vraiment dommage. Il faut qu'on arrive vraiment à se donner les moyens de sa politique. Et qu'en soit pour l'affaire de FMI, on a parlé la semaine dernière, pour des choses comme ça. Ah non, mais voilà. Tu ne peux pas avoir l'argent déjà dans tes poches et tu veux faire de quelle moralité tu vas venir me dire, ah, il pète. C'est dommage. Il faut qu'on arrive à un moment où on peut faire ça. C'est 57, madame. Au revoir, mesdames et messieurs, on vous retrouve demain. Sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook.